Alors, il est décomposé. Donc, a été ratifié par le conseil d'administration, voilà, la composition suivante. Je commence par la secrétaire adjointe, donc nouvelle entrée au bureau, Mélanie Maudet. Secrétaire, Charline Hernandez. Trésorière adjointe, Patricia Bayeul. Voilà. Trésorière, Élodie Jouffroy. Voilà. Donc, on te fera part de nos comptes et tout ça, il n'y a pas de problème. Merci pour le café. Vice-présidente, Lila Achour. Président de l'association, Miguel Hernandez. J'ai juste un mot à dire. Je ne me suis pas rendu compte que la parité n'était pas respectée. Je pense que je vais vraiment souffrir avec un bureau essentiellement composé. Non, ça, c'est voilà, qui touche. Comment ça ? Tu as tellement l'habitude. Voilà. Deuxième information, j'ai oublié tout à l'heure dans les projets, je m'en excuse, Nadia, qui a l'habitude et a fait à plusieurs reprises des vidéoconférences, ça je trouve pas, sur la thématique du mur, et si vous étiez là, la restitution, j'attends toujours d'ailleurs ton petit texte que tu avais fait sur le mur, avec la, moi j'avais trouvé ça très très fort, avec le mur à l'intérieur et le mur à l'extérieur, enfermé à l'intérieur et enfermé à l'extérieur, qui en fin de compte montrait que les Palestiniens étaient effectivement dans une prison assez ouverte, mais que les Israéliens eux-mêmes étaient enfermés sur leur propre, sur les territoires. Voilà. Et donc, vous avez l'affiche de la dernière conférence qui a été faite par Nadia, donc sur Un monde sans mur. Deux secondes, Nadia, oui, je te laisse la parole. Un monde sans mur, images en rafale, un mur pour cible, Palestine. Donc, c'est sur la problématique du mur. Des expressions artistiques à propos du mur, sur le mur, mais à propos du mur aussi. Ces expressions-là qui nous rendent compte que ce mur est en réalité un instrument, un outil oppressif, de répression, et un outil d'annexion territoriale. Tout cela par l'image, par la vidéo, par le dessin et par tout ce qui est visuel. Et donc on vous proposera de faire venir Nadia pour animer cette vidéoconférence donc au courant de la vie. Vous trouvez une date pour organiser comme on a plein de thématiques, comme celle de l'eau aussi, où il serait intéressant qu'on fasse une conférence sur l'eau en Palestine. Voilà. On entame la deuxième partie de notre soirée. Voilà. Donc Christine va faire une petite introduction sur la question qui nous préoccupe ce soir. Et puis après, on débattra. Rassure-moi d'abord, il y aura une troisième partie. Oui. Okay, donc, mais on a fait à la palestinienne. Mm-hmm. D'accord. Très bien. Donc je vais tâcher d'être rapide. Donc, comme vous le savez, notre association souhaite s'engager dans le soutien aux prisonniers palestiniens. C'est notre combat. Et mon propos va être largement complété par nos amis palestiniens. Donc, la situation des prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes est dramatique, en violation avec les droits de l'homme et le droit international. Le seul tort de ces prisonniers est de résister à la colonisation israélienne, à la répression, et d'agir pour l'application de leurs droits. Depuis 1967, année d'occupation de Gaza et de la Cisjordanie, 800 000 Palestiniens, dont 25 000 enfants et 12 000 femmes, certaines ont accouché en prison, ont été emprisonnées. C'est plus de 20% de la population totale et 40% de la population masculine. Aujourd'hui, Israël détient arbitrairement 4 699 Palestiniens, dont 319 en détention administrative, 138 mineurs de 12 à 16 ans, 27 députés et 8 femmes. Sur ce nombre, 533 prisonniers ont été condamnés deux fois à perpétuité et 456 à plus de 20 ans de prison. Karim Younes, le plus vieux prisonnier du monde, a plus de 30 ans de détention. Et cela nous rappelle fortement le régime d'apartheid à Afrique du Sud, où nous avions Nelson Mandela qui avait regroupé 26 années d'emprisonnement.
La politique israélienne d'arrestation massive correspond à une stratégie d'Israël, à une volonté de banaliser l'acte d'emprisonnement. Les arrestations doivent devenir le quotidien de la société palestinienne. Il n'y a pas une famille qui ne connaisse les arrestations et ou emprisonnés. Le but est d'épuiser la population afin d'annihiler toute volonté de résistance. La détention administrative est illégale et arbitraire. Un mot pour rappeler ce qu'est la détention administrative. Selon la loi israélienne, c'est une procédure qui permet aux institutions israéliennes de détenir des prisonniers, si elles le souhaitent, indéfiniment, sur la base de preuves classées secret défense. Cette mesure permet de détenir un individu pendant 6 mois renouvelables et ainsi de suite, sans que jamais la moindre charge lui soit notifiée. Ce sont des actes, je le redis, arbitraires et inhumains, contraires aux droits de l'homme. Nous estimons que la communauté internationale doit se prononcer clairement sur la fin de cette pratique afin que tous les détenus administratifs soient libérés sans condition. Survivance des lois coloniales britanniques, la détention administrative est connue comme étant la plus sévère de ces mesures. La torture est institutionnalisée. Pire encore, il y a quelques mois, la Cour suprême d'Israël a autorisé l'usage de la torture. Peut-on imaginer une telle mesure ? En effet, la Cour a annulé les charges retenues contre des officiers israéliens suite à des méthodes d'interrogation illégales. La Cour suprême a autorisé l'utilisation de la torture pour interroger les suspects. Ces méthodes inhumaines conduisent les prisonniers épuisés, prostrés, lors de ces interrogatoires, à avouer des fautes qu'ils n'ont pas commises. Pourquoi des députés sont emprisonnés ? 27 membres du Parlement palestinien sont actuellement en prison, dont 20 en détention administrative. Ces parlementaires sont issus de tous les partis politiques palestiniens, tous interdits en Israël. La politique d'arrestation des députés vise à délégitimer les institutions politiques palestiniennes en banalisant leurs fonctions. L'exemple du député du Fatah, Marwan Barghouti, est le plus marquant. Il est en effet 5 fois condamné à la prison à perpétuité pour terrorisme présumé. La situation des enfants palestiniens est particulièrement préoccupante. Plus de 700 enfants âgés entre 12 et 17 ans sont déférés chaque année devant les tribunaux israéliens sous l'accusation de jet de pierre contre les soldats, indique dans son rapport du 20 mars 2012 l'ONG Défense des Enfants International, DEI. Par ailleurs, pour l'ONG israélienne B'Tselem, entre 2005 et 2010, sur les 835 mineurs condamnés, un seul a été acquitté. 138 d'entre eux croupissent encore aujourd'hui en prison. Pire, sur la base de 311 témoignages d'anciens enfants détenus, DEI, l'ONG, indique que 75% ont subi des violences et des tortures, certains ayant été interrogés les yeux bandés et les mains attachées derrière le dos en l'absence de leurs parents. 116 ont entre 14 et 15 ans au moment de leur détention. Amou Mahdi, 10 ans, Saleh, 9 ans, Mohamed, 15 ans, et son frère Ala, 17 ans, Jamal Jaber, 17 ans, Ahmad Odeh, 13 ans, et tant d'autres, sont des enfants palestiniens arrêtés, emprisonnés et frappés. C'est toujours le même scénario. La police israélienne ou les militaires opèrent des rafles d'enfants dans les rues, à domicile, n'importe où, n'importe quand, en les accusant d'avoir jeté des pierres. Lors de notre voyage en décembre 2012, nous avons pu rencontrer 2 enfants de 9 et 13 ans, d'ailleurs il y a des photos de ceux qu'on a rencontrés et d'autres également, qui ont été kidnappés, battus, menacés, effrayés. L'un a eu le bras cassé et tous deux ont eu des séquelles psychologiques. On parlait de serpents, des menaces qu'ils ont reçues des militaires israéliens. D'autres encore ont subi des tortures ou des décharges électriques. Comme à chaque fois pour leur libération, les Israéliens exigent une forte somme d'argent, 1000 shekels ou même plus. Ces enfants devront retourner en prison à leur majorité pour être jugés, ils sont fichés à vie. Comment peuvent-ils avoir un avenir en ayant sur leur tête cette épée de Damoclès ? Le sort des femmes palestiniennes est extrêmement préoccupant. Les femmes subissent des abus verbaux et sexuels. Le comportement des Israéliens vise à déshumaniser les prisonnières, exacerber leur peur en jouant sur les normes culturelles et les coutumes palestiniennes. Méprisées, les prisonnières sont placées en détention avec des prisonnières israéliennes jugées pour crime. Cette pratique est illégale.
Le cas d'Anne Chalabi illustre la situation de nombreuses prisonnières. Elle a été arrêtée en pleine nuit, jetée dans une voiture, enchaînée, déshabillée et humiliée par des soldats. Elle a connu des jours d'isolement, des heures d'interrogatoire, attachée à une chaise, pieds et mains liés, attachée derrière le dos, battue. Elle a entamé une grève de la faim. La dernière arme des prisonniers palestiniens, la grève de la faim. Depuis le 17 avril, 2000 prisonniers mènent une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de vie inhumaines et pour leur dignité. D'autres ont commencé le 1er mars et arrivent à un seuil critique pour leur survie. Ce mouvement très massif et revendiquant des droits humains les plus élémentaires dévoile la gravité des atteintes aux droits de l'homme et la souffrance de ces êtres humains. Ils se battent également contre le durcissement des conditions de détention, bastonnade, torture, brimade, refus de libérer des détenus atteints de maladies incurables, chantage aux soins, confiscation d'objets personnels, placement au secret, refus des visites familiales, refus d'accès à la lecture aux médias, transfert vers d'autres prisons, etc. Selon Adamer, ONG spécialisée dans la défense des détenus palestiniens, que nous avons rencontré en décembre 2012 lors de notre séjour en Palestine, 2011, pardon, chacun a droit à sa petite coquille. La brimade suprême est la confiscation du sel dans l'eau, pourtant nécessaire à l'alimentation des grévistes. Le mouvement de grève s'est étendu à 17 prisons. 3500 prisonniers devraient rejoindre le mouvement. Le rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'homme dans les territoires occupés, Richard Falk, a déclaré « Je suis écœuré par les violations continues des droits de l'homme dans les prisons israéliennes ». Cette répression se heurte à un blocage médiatique international. Personne dans le monde et en France ne parle de la situation des prisonniers politiques, des grévistes de la faim et des enfants prisonniers. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a décidé d'internationaliser la question des prisonniers palestiniens et de la soumettre à l'Assemblée générale de l'ONU. Pour lui, la question des prisonniers est urgente. Ce qui se passe dans les prisons israéliennes n'est pas humain et il faut sans tarder y mettre fin. Alors, quelle perspective et comment agir? Cette problématique est directement liée à la reconnaissance immédiate de l'État palestinien par l'ONU et par la France. Cette situation inhumaine appelle un vaste mouvement de solidarité. En tant que citoyens et adhérents de l'association ONE Palestine Solidarité, nous vous appelons à soutenir sans réserve la lutte du peuple palestinien et à développer des actions pour faire pression sur l'État français et les élus locaux afin d'obtenir l'abolition du régime illégal de la détention administrative, l'abandon de ces pratiques qui violent les droits les plus élémentaires, la fin des cellules d'isolement, la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens et enfin la reconnaissance immédiate de l'État palestinien. C'est pourquoi nous proposons qu'APS lance une grande campagne de solidarité, de mobilisation et d'action en vous invitant à signer la pétition du collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens en faveur des prisonniers politiques qui est à votre disposition. Adoptez l'appel agissant pour sauver les grévistes de la faim. Envoyez un courrier au président des groupes politiques de la ville d'Aulnay-sous-Bois sur la question des prisonniers ainsi qu'aux candidats aux élections législatives d'Aulnay leur demandant d'intervenir pour que les autorités israéliennes abandonnent leurs pratiques qui violent les droits de l'homme. Envoyez un courrier identique à François Hollande, nouveau président de la République, en intégrant la demande de reconnaissance immédiate de l'État palestinien, et enfin, de parrainer des enfants prisonniers, selon des formes qui restent encore à déterminer, en partenariat avec Fatou Al-Kader de l'association Sunflower. Voilà, merci.